le 24 novembre 1665, j'allais pour la première fois à Matarieh pour visiter ces lieux saints et célèbres, se situant à environ 2,5 lieues du Caire. Le désert venait mourir juste aux haies et murs de clôture du village. En deçà, c'était le sol aride et stérile. Au-delà, une terre fertile, semblable au paradis.